non, c'est le thumb run. Donc c'est ça. En fait, le stylo tourne autour du pouce. Donc pour le faire, il faut mettre le majeur au milieu du stylo, l'index au-dessus et le pouce à peu près au milieu. Donc pour ça, on exerce une pression avec le majeur et on tourne le majeur. Après, pendant qu'on tourne, l'index va lâcher le stylo. Après, il suffit juste de rattraper le stylo avec l'index. Voilà. Ça, c'est le thumb run. Maintenant, le multi-thumb round, c'est comme le thumb round, sauf que au lieu de faire un tour, on en fait plusieurs. Voilà. Donc l'astuce, c'est, par contre, il faut savoir faire le thumb round. L'astuce, c'est que au moment que l'on tourne, là, en fait, quand on arrive à cet endroit, il faut plier le pouce. Comme ça, si on le plie, il fait plusieurs tours. Et après, il suffit juste de le rattraper. Voilà. Donc maintenant nous allons faire le reverse thumb run. En fait le thumb run mais à l'envers. Voilà. Donc il est un peu plus dur que l'autre. Mais ça va, facile à apprendre. Donc pour cela, donc vous faites votre thumb run et vous devez rattraper votre stylo comme ça. Une fois que c'est comme ça, normalement avec le stylo il sera en haut. Donc vous avez juste besoin de soit taper, soit glisser votre doigt sur le stylo. Après, ben, vous vous rattrapez votre stylo avec votre majeur. Comme ceci. Mouvement du stylo. Voilà. Ça, c'est le reverse thumb run. Donc maintenant, l'aller-retour. Donc on fait un thumb run et on fait un retour. Donc une astuce pour enchaîner plusieurs fois pour faire ça. Donc hop, on fait l'aller. Et au moment que l'on finit le retour, on le rattrape pas comme ça, on le rattrape comme ça. Et là, il suffit juste de pousser avec le majeur. Hop. Donc là, on fait le reverse. Hop. On rattrape avec le majeur, juste le majeur. Et on repousse avec le majeur. Hop là. Et on rattrape avec l'autre. Et après, ben, on gagne de la vitesse à force. Donc le Sonic. Le Sonic, il est plus facile que le Thumb Run. Le Sonic, c'est ça. Voilà. Donc pour ça, il suffit de vous entraîner à faire ça. Donc on est comme ça. Le stylo, on l'attrape avec l'index. On baisse le majeur. Et on remonte le majeur une fois que le stylo est passé. Donc vous vous entraînez comme ça. Voilà. Et à force, ben, vous gagnez un peu de vitesse. Après aussi une autre astuce, vous pouvez vous aider de la pression, vous le coincez avec le pouce et vous retirez votre pouce. Faites-vous, hop, vous tendez votre main. Donc le stylo va faire un arrondi. Hop, il vous reste juste à baisser le majeur. Donc hop, et on le relève. Et ça, c'est le Sonic. Maintenant, le Sonic du bas. Donc en fait, c'est le même que le Sonic, sauf qu'il est ici en bas. Donc on fait le même mouvement. Bon, par contre, il est un tout petit peu plus dur parce que lui part bizarrement. Donc on fait le même mouvement, et puis voilà. C'est le Sonic du bas. Donc maintenant, le Twisted Sonic. Le Twisted Sonic, en fait, il faut savoir faire le Sonic et le Sonic du bas. Donc on commence par faire un Sonic du bas. Et on remonte jusqu'en haut de la main. Le Sonic du bas et le Sonic. Par contre, une fois qu'on a fait le Sonic du bas, faut directement enchaîner et pas remettre le stylo là. Donc, hop, et voilà. Sonic du bas. Twisted Sonic, pardon. Après,
vrai, vous pouvez mettre votre main comme ça. Ça donnera un effet que je trouve mieux. Voilà. Donc maintenant le reverse sonic. Bon, il est beaucoup plus dur que le sonic. Ça. Donc en fait c'est ça. L'inverse. Au lieu de monter, on descend. Voilà. Donc pour le faire, soit vous essayez de choper le mouvement inverse, soit vous donnez un coup. En fait, grâce au contrepoids, le stylo il tombe. Avec le majeur, on rattrape le stylo. L'index, on pousse. Une fois que le stylo est là, à cet endroit, on lève le majeur. Voilà. Bon, il est très dur. Mais vous pouvez vous entraîner comme ça, là, à le faire tomber. Et après, une fois que vous savez le faire, vous donnez un coup en avant pour que ça aille plus vite. Après, vous pouvez le faire en bas une fois que vous arrivez à bien le maîtriser. Bon, après, vous faites le Twisted Sonic Reverse. Vous faites le Twisted Sonic, ça, et le Reverse, ça. Voilà. Voilà, donc maintenant nous allons faire la charge. Donc la charge, c'est ça. Voilà, en fait on tourne dans le vide. Après vous pouvez la faire ici, que j'arrive pas à faire. Vous pouvez la faire là. Voilà. Donc pour la prendre, en fait vous essayez de. Là vous prenez votre stylo comme ça et vous essayez de le faire tourner en tournant la main. Voilà. Après, au fur et à mesure, moi je le fais avec l'index parce que j'y arrive mieux. Donc après, vous ralentissez votre main et au fur et à force d'en faire, vous n'avez plus besoin de bouger votre main. Voilà. Et après, on peut enchaîner, par exemple, on fait un Sonic et on enchaîne avec des charges. Donc maintenant nous allons faire le Sonic 3 intérieur. Donc ça sert par exemple pour terminer, vous faites je sais pas, un Twisted Sonic avec des charges, et vous le terminez comme ça. Donc là pour y apprendre, vous tenez votre stylo à un quart et vous faites des balancis comme ça. Alors dès que le stylo arrive là, il faut que le majeur monte suffisamment haut pour que le stylo parte. Après vous le rattrapez avec le pouce. Bon, au début vous allez peut-être faire un peu des trucs en lâchant le stylo, mais à force, ben vous chopez le mouvement. Et après, par exemple, si vous voulez repartir, vous le poussez en avant. Et après vous enchaînez par exemple avec allez, River Sonic. Par exemple, voilà. Hop, à la vitesse rapide. Non, le Demon Sonic. Pour faire le Demon Sonic, il faut savoir faire le Sonic du bas. Et c'est tout. Donc pour ça, on commence en position du Sonic du bas. Et on baisse l'index. Le mouvement, ça va être ça. Donc on fait un Sonic. Hop. Et au lieu qu'il atterrisse ici, il va atterrir derrière l'index. Et après, on remonte là. Et on le remonte. Voilà le Demon Sonic, donc à vitesse rapide, ça fait ça. Bon, il n'est pas facile au début. Mais bon, avec l'habitude, tout le monde peut y arriver. Donc voilà.